Bonjour à tous les cancers, donc voici votre tirage général pour le mois de décembre. Donc, bien entendu, c'est un tirage qui peut parler aussi à tous ceux qui sont ascendants et signes lunaires du signe cancer. Vous prenez, c'est un tirage général, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle et vous laissez le reste. Donc ici, on vous parle de temps. Donc il y a soit il y a quelque chose qui dure depuis un certain temps, soit il y a quelque chose qui va prendre du temps par rapport à des démarches administratives. Ça peut être administratif, comme ça peut être éventuellement, pourquoi pas, ça peut aussi être une demande de divorce, après tout, on ne sait pas. Ou alors, éventuellement, ça peut vous représenter si vous êtes dans ce métier. Ça peut vous représenter en tant qu'avocat. Et que, aussi, mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même des démarches administratives. Et que par rapport à cette loi, on vous parle de que vous êtes protégé. On vous dit que vous êtes protégé par l'univers. On vous dit qu'il y a une protection sur vous par rapport... une protection sur vous de l'univers, excusez-moi, décidément ça va pas, il y en a qui veulent pas que je fasse ce tirage, mais bon, et que par rapport à cette protection, on vous dit qu'il y a une ouverture, il y a une belle ouverture, mais il y a une très belle ouverture, donc tout va bien. Simplement le fait que malgré qu'il y ait cette ouverture, eh bien vous vous retrouvez complètement replié sur vous, enfermé, vous vous retrouvez dans un enfermement. Donc, un enfermement qui apparemment dure depuis déjà un petit moment, hein, apparemment. Et donc, ça dure depuis un petit moment, mais vous êtes protégé. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous allez sortir de cet enfermement. Vous allez sortir de là. Ici, on vous parle, on vous dit que vous êtes en train d'évoluer, que vous allez vers la lumière. Vous êtes en train de monter vers la lumière, de vous élever à la lumière. Mais que par rapport à cette évolution, on vous parle quand même d'un effet boomerang. Un effet boomerang par rapport à quoi? Par rapport à une séparation qu'il y a eu. Et du coup, ce que vous avez fait, bah, vous revient en positif ou en négatif. Selon ce que vous avez fait, il vous revient. Donc cet effet boomerang vous revient en rapport avec une séparation, malgré que là vous essayez quand même, ou alors vous allez essayer de recoller les morceaux, on va dire. Et que par rapport à cet effet boomerang, on vous parle d'amour, c'est un rapport avec de l'amour que vous avez pu avoir, ou avec de l'amour que quelqu'un a pu avoir pour vous. Et que par rapport à cet amour, on vous dit que c'est un cadeau. C'est un cadeau, c'est comme un cadeau de l'univers. C'est un cadeau, mais que par rapport à ce cadeau, on vous dit que vous avez à faire un choix. Vous devez faire un choix. Vous devez faire un choix, donc ça veut dire que vous êtes en triangulaire. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Parce que moi, les tirages, c'est pas parce que je dis qu'il y a un homme, c'est pas parce que je ne parle pas d'un homme ou d'une femme que voilà. Il faut le prendre autant que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. C'est pas nécessaire qu'un homme ou une femme apparaisse pour que vous vous retrouviez dans le tirage. Donc, il y aura un choix à faire. Un choix par rapport à de l'amour. Vous allez devoir faire. Mais on vous dit que par rapport à ce choix, ça vous permettra de vous élever vers la lumière. Ça va vous faire grandir spirituellement. Ici, on vous demande de partager vos dons. Vous avez des dons, mais vous les gardez pour vous. C'est ce que cette carte, elle dit. Vous avez des dons, mais au lieu de les mettre, de les partager avec les gens, eh bien non, vous les gardez jalousement pour vous. Donc, on vous demande de partager vos dons, les dons que vous avez. On vous demande aussi de rappeler votre esprit au bercail. Ça veut dire que votre esprit n'est pas en harmonie avec votre corps. Donc, votre esprit est éloigné du corps.
ça veut dire que l'esprit, il est dans l'amour. Si vous n'êtes pas, effectivement, s'il y a un souci à ce niveau-là, alors ça veut dire, faut pas s'étonner si on vous dit rappeler votre esprit pour revenir vers vous. Et que par rapport à l'esprit, on vous demande de vous éloigner de la foule. On vous demande de vous éloigner de la foule, on vous demande de vous retirer, de ne pas rester avec la foule, de ne pas rester dans la foule. Peut-être que c'est pas bon pour vous. Peut-être que vous... Oh, ça y est, je recommence. C'est possible que vous soyez, comment dire, vous aimez peut-être la foule. Apparemment, vous aimez la foule. Mais c'est pas bon pour votre élévation. Et que là, on vous demande d'être patient. On vous demande d'avoir de la patience. On vous dit, soyez patient. Et ici, on vous dit de dire, dites merci. Dites merci pour ce que l'univers fait pour vous. Dites merci parce que l'univers vous a donné des dons. Des dons, mais vous n'êtes pas reconnaissant apparemment de ce que l'univers vous a donné, puisqu'on vous dit de dire merci. Ici, on vous dit que vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur. Donc, soit par rapport à quelqu'un, soit par rapport à une relation. On vous dit que vous n'avez pas peur. Donc, vous êtes quelqu'un de courageux. Et que on vous dit quand même que vous êtes en sécurité. Même si vous dites, vous n'avez pas peur, mais l'univers vous dit que de toute façon, vous êtes en sécurité. Et on vous demande de dissiper le brouillard. Soit il peut y avoir du brouillard dans votre vie sentimentale, soit il se peut que ce soit à d'autres niveaux. Peut-être que vous vous sentez un petit peu peut-être dans le brouillard actuellement. Possible que vous ne voyez pas les choses. Vous avez du mal à voir. Donc du coup, c'est un petit peu comme quand on est sur la route et puis qu'on voit, comment dire, du brouillard, on ne voit pas la route comme il faut. Ben là, c'est un petit peu la même chose. Soit actuellement, c'est ce qui va arriver, eh bien, vous allez vous retrouver dans une situation où vous aurez du mal à voir les choses parce que vous aurez, comment dire, l'esprit embrouillé, si on peut dire. Et là, on vous demande d'être créatif. On vous demande d'être créatif. Ici, on voit une personne qui range un violon. Peut-être que vous êtes doué pour la musique. Vous avez peut-être un don pour la musique, pour faire de la musique, par rapport à un art. Enfin bon. Et que par rapport à cela, on vous demande éventuellement d'être un peu plus... Oui, d'avoir plus envie d'être créatif dans votre vie. Ça peut être, soyez créatif, on peut être créatif dans une profession, on peut être créatif un peu n'importe. Oh là là, aujourd'hui ça va pas. Bon, enfin bref, on peut être créatif dans plusieurs domaines. Donc, et que par rapport à cela, on vous dit de parler avec amour. Donc apparemment, on vous demande d'être créatif au niveau du sentimental. Donc c'est au niveau du sentimental, puisque là on vous dit parler avec amour, que vous êtes complètement dans le brouillard. Vous êtes dans le brouillard par rapport à possible que vous ayez plusieurs personnes autour de vous et que vous vous sentez complètement dans le brouillard. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'être créatif par rapport à une relation et de parler avec amour. Ici, on vous parle de secret. On vous parle de secret, on vous dit que vous avez des secrets. Vous gardez, soit c'est vous qui avez des secrets, soit il y a des personnes éventuellement autour de vous qui ont des secrets. Que par rapport à ces secrets, ça concerne un rêve que on souhaite attraper. Un rêve que l'on veut attraper, un vieux rêve possible, que ce soit quelque chose de
un vieux rêve, qu'on court après un rêve. Mais c'est un rêve qui est secret apparemment. Et que par rapport à ce rêve, on vous dit que vous avez la clé. Vous avez la clé pour aller de l'avant. Vous avez la clé pour ouvrir les portes. Mais que par rapport à cette clé, on vous dit que vous êtes peut-être, soit vous êtes déjà en couple, la clé par rapport à une union. Il se peut que vous soyez déjà en couple, ou alors que vous ayez envie de vous mettre en couple par rapport à une personne que vous considérez un petit peu comme un papillon. Une personne que vous considérez comme un papillon, mais qui a peut-être une vie un peu d'un papillon, mais que, bon, ne pas se fier aux apparences. Parce que même si cette personne a eu cette vie, bon, c'est pas de sa faute, déjà. Et que malgré les apparences, cette personne a un cœur, un très bon cœur, avec une très belle rose en or à l'intérieur. Mais le papillon, ça peut aussi représenter une transformation. C'est-à-dire que pour devenir un papillon, faut déjà être une chenille, et une chenille se transforme en un magnifique papillon. Et que par rapport à ce papillon ou cette transformation, on demande éventuellement de faire un travail de transformation sur vous. Et ça concerne aussi par rapport, c'est en rapport avec des secrets. Cette transformation, ça englobe les secrets. Vous n'avez pas à garder de secrets, mais être transparent, totalement transparent. Ici, on vous parle d'une déclaration d'amour, mais que par rapport à cette déclaration d'amour, on vous parle d'abondance. Donc apparemment, en rapport avec cette déclaration d'amour, il va y avoir une abondance de sentiments, abondance d'amour. Et que par rapport à cette abondance, on vous parle de nouvelles. Ça peut être par téléphone ou bien par SMS. Vous allez recevoir des nouvelles. Par rapport à ces nouvelles, on vous dit que ces nouvelles peuvent agir sur votre santé. Donc les nouvelles, ça peut autant affecter votre santé apparemment, ou bien l'améliorer, soit l'affecter, soit l'améliorer, mais je pense que c'est plus pour les nouvelles, ça peut plus l'améliorer que l'affecter. Et que par rapport à la santé, on vous dit que vous êtes plus sur le profit que sur le cœur. On dit que vous accordez plus d'importance à l'argent qu'au côté sentimental. Malgré la déclaration d'amour que vous faites, vous êtes plus sur l'argent que sur l'amour. Ici, on vous parle de l'été. Bon, l'été, ça peut représenter l'été, ça peut représenter des vacances éventuellement, peut-être que vous avez envie de partir en vacances. Il n'y a pas besoin d'attendre l'été pour partir en vacances. Et ça peut représenter aussi une personne née en été. Et que par rapport à l'été, on vous parle de délai, on vous parle de temps, d'attente. Il y a un délai pour aller quelque part éventuellement, ou quelque chose qui prend du temps. Et que par rapport à ce délai, d'un côté on vous parle de délai, et de l'autre côté on vous dit que c'est le bon moment. On vous parle de synchronicité, de coup de chance. Et on vous demande éventuellement de saisir votre chance. Mais que par rapport à ça, on vous parle des blessures, des plaies, des blessures anciennes, de situations récurrentes, de répétitions, de schémas. Apparemment, excusez-moi, il y a des choses qui se répètent là. On parle donc des blessures qui ne sont pas fermées, hein, des blessures du passé qui sont encore présentes. Et par rapport à ces blessures, on vous parle d'un homme. Là, vous voyez, on parle d'un homme. Et ça peut très bien être une femme si vous êtes dans cette situation. Et que par rapport à cet homme qui a des blessures, on parle d'été.
Donc, apparemment, il va se passer quelque chose possible l'été prochain, ou bien, comme je dis, hein, ou bien tout simplement, cet homme est né en été, puis c'est tout. Mais là, on vous parle de printemps. On vous parle de printemps, donc il se peut qu'il se passe quelque chose au printemps, ou bien il se peut aussi que ça représente. Donc, le printemps, c'est la renaissance, c'est l'éclosion des fleurs, c'est comme une renaissance. Mais que par rapport au printemps, ça peut représenter aussi une personne née aux alentours du printemps. Et que par rapport au printemps, on vous parle d'automne. Ok. Donc, l'automne, ça peut représenter, décidément, on a toutes les saisons là. L'automne, ça peut représenter l'automne actuellement. Ou alors, avec l'automne, on vous demande éventuellement de vous dépouiller de certaines choses, de vous libérer de certaines choses. Comme les arbres perdent leurs feuilles, ben, peut-être qu'on vous demande vous aussi de laisser certaines choses. De laisser certaines choses et puis d'avancer. Ça peut aussi représenter une personne née en automne. Et que par rapport à l'automne, on vous parle d'une personne qui a le signe balance dans son thème natal. Soit c'est quelqu'un autour de vous, soit c'est vous-même. Que par rapport à la balance, au signe balance, on vous parle de la mère possible que vous ou quelqu'un de votre entourage habite au bord de la mer. Ou alors que vous ayez envie de partir en vacances ou en week-end au soleil au bord de la mer. Et par rapport à la mer, on vous parle d'éphémère, d'une situation passagère qui ne dure pas. Une situation qui ne dure pas ici. Donc, c'est possible que ce soit une situation sentimentale ou bien quelque chose de toute façon qui ne dure pas. Ici, on vous parle de temps. On vous parle de temps et on vous parle d'une évolution. Donc, il faut du temps pour, apparemment, il vous faut du temps pour évoluer vers la lumière. Vous avez besoin de temps pour évoluer vers la lumière. Et que par rapport au fait d'être de la lumière, de l'évolution, on vous demande de partager vos dons, de partager vos dons. Et que le fait de partager vos dons peut vous permettre aussi d'évoluer. Mais que le fait de partager vos dons vous dit que vous n'avez pas peur. Ben, vous n'avez pas peur, ben, c'est bien d'un côté, mais bon, quelqu'un qui n'a pas peur, mettons, de certaines choses, il peut très bien, mettons, quelqu'un qui n'a pas peur de perdre une personne, ben, il la perd, puis après, c'est là qu'il se rend compte. Et que par rapport au fait qu'on n'avait pas peur, on vous dit que c'est en rapport avec des secrets. Vous n'avez pas peur par rapport à des secrets, donc vous êtes au courant de certaines choses, mais malgré les choses cachées que vous connaissez, on vous dit que vous n'avez pas peur. Des secrets, et que par rapport à ces secrets, on vous parle d'une déclaration d'amour. On vous parle d'une déclaration d'amour par rapport à une personne. Une déclaration d'amour qui va se passer en été, soit avec une personne née en été. Ou alors c'est vous qui êtes né en été. De toute façon, bizarrement, ben, l'été, ça représente effectivement le signe cancer. Et que par rapport à l'été, on vous parle de printemps. Là aussi, ça peut représenter une personne née aux alentours du printemps. Ou alors, il va se passer quelque chose au printemps, comme une renaissance, comme quelque chose qui change, qui se transforme. Ici, on vous parle de loi. On vous parle de loi et on vous dit donc des démarches. Ou alors, soit vous êtes en relation avec un avocat, soit vous êtes vous-même avocat. Ou alors, tout simplement, vous êtes en train de faire des démarches administratives en rapport avec la loi, mais que par rapport à la loi, on vous parle d'un effet boomerang. Effet boomerang, ce que vous envoyez vous revient.
Vous envoyez du mal, il y a du mal qui vous revient. Vous envoyez du bien, il y a du bien qui vous revient. L'effet boomerang. Et par rapport à cet effet boomerang, on vous dit de rappeler votre esprit au bercail. Ça veut dire que votre esprit n'apprécie pas ce que vous faites. Du coup, votre esprit s'éloigne de vous. Il s'éloigne de vous parce qu'il n'apprécie pas. Et c'est pour ça qu'on vous dit de ramener votre esprit vers vous. Et par rapport à cela, on vous dit que vous êtes en sécurité. Si vous avez besoin de vous sentir en sécurité, ben vous êtes en sécurité. Vous êtes en sécurité par rapport à des rêves que vous courez après des rêves, des anciens rêves peut-être. Et du coup, on vous dit que de toute façon, l'univers vous rassure en vous disant que vous êtes en sécurité par rapport à des rêves. Et que par rapport à ces rêves, on vous parle d'abondance. D'abondance, donc ça peut être l'abondance en amour, ça peut être l'abondance dans tous les domaines. Et que par rapport à cette abondance, on vous parle de délai. On vous parle de temps, d'être dans l'attente. Et d'aller à son rythme aussi. Et par rapport à ce délai, on vous dit que on vous parle de l'automne. C'est peut-être cet automne, comme ça peut être l'automne d'après, et que par rapport au l'automne, ça peut représenter aussi quelqu'un qui a besoin de se dépouiller de certaines choses négatives. Peut-être que on vous donne un délai pour vous dépouiller de certaines choses négatives. De certaines choses négatives, ou alors en rapport avec une personne éventuellement née en automne. Ici, on vous parle de miroir magique. On vous dit que vous êtes protégé. Par rapport à cette protection, on vous parle d'amour. Il y a une protection par rapport à de l'amour. Par rapport à quelqu'un, peut-être par rapport à une personne pour qui vous ressentez de l'amour. Et que par rapport à cet amour, on vous demande de vous éloigner de la foule. Ça veut dire que pour vivre cet amour, apparemment, vous avez besoin de vous éloigner de la foule, de beaucoup du monde. Et on vous demande aussi de dissiper le brouillard, c'est-à-dire que vous êtes actuellement dans une situation où c'est assez embrouillé. C'est embrouillé au niveau de l'amour. Et peut-être bien que vous avez besoin de vous éloigner de la foule pour mieux écouter, vous écouter à l'intérieur, écouter votre âme, écouter les ressentis. Et du coup, on vous demande de vous éloigner de la foule pour dissiper le brouillard qui est en vous. Éloignez-vous de la foule afin de dissiper, de mieux écouter ce qui se passe en vous. Pour dissiper le brouillard qui est en vous et afin d'avoir la clé qui permet d'ouvrir les portes et que par rapport à cette clé, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Donc vous allez pouvoir mettre en place certaines choses. Il va y avoir des nouvelles soit par téléphone, soit par SMS. Et on vous dit que c'est le bon moment. On vous dit que c'est le bon moment, qu'il y a des synchronicités, qu'on vous parle d'un coup de chance qui va arriver. Et on vous demande de saisir votre chance. Et là, on vous parle par rapport à une personne du signe balance. Ça peut être votre ascendant ou signe lunaire ou quelqu'un de votre entourage en signe balance, qui a la balance dans son thème natal. Ici, on vous parle d'une ouverture. Alors, on vous parle d'une ouverture et on vous dit que par rapport à une ouverture, vous allez recevoir comme un cadeau. Un cadeau, soit ça peut être un cadeau de quelqu'un ou bien un cadeau de l'univers. Et que par rapport à ce cadeau, on vous demande d'être patient. On vous demande d'être patient. D'être patient peut-être par rapport à une personne. D'être patient et on vous demande aussi d'être créatif. Donc d'avoir un peu d'imagination, d'être créatif au niveau sentimental. D'être créatif, on vous dit, soyez créatif par rapport à une union. Par rapport à une union, donc par rapport à... Oui,
par rapport à une union, vous allez apparemment vous mettre en couple avec quelqu'un, et que par rapport à cette union, on vous parle de, on vous dit que ça joue sur votre santé. Ça joue sur votre santé, mais il y a des vieilles blessures, il y a des blessures anciennes qui jouent sur votre santé aussi. Donc, possible que vous soyez en couple aussi, et que le fait d'être en couple joue sur votre santé, et que vous repensez, vous avez peut-être, par rapport au passé, des vieilles blessures, des blessures anciennes, et on parle d'une situation récurrente. On parle de répétition de schéma. Apparemment, par rapport au passé, vous êtes déjà arrivé, vous êtes en train de revivre quelque chose qui s'est déjà passé dans le passé, un passé lointain. Donc des blessures et une répétition de schéma apparemment. Et que par rapport à ces blessures, on vous dit que c'est en rapport avec la mère. En rapport avec la mère, ou alors c'est vous qui habitez près de la mère. Peut-être que la mère vous rappelle. La mère peut vous rappeler des blessures anciennes. Ou alors, peut-être que vous avez envie de partir au bord de la mer en vacances ou en week-end. Ça dépend de la situation. Ça dépend à qui, voilà, vous le prenez comme ça vous parle. Ici, on vous parle d'un enfermement. Un enfermement, et que par rapport à cet enfermement, vous êtes replié sur vous, vous êtes pas bien, vous êtes totalement replié sur vous-même. Pourquoi ? Parce que vous avez un choix à faire. Donc, vous avez plusieurs personnes dans le cœur, on va dire, et que par rapport, donc c'est une triangulaire, voire peut-être plus, et que par rapport donc à ce choix à faire, vous avez un choix à faire et on vous dit de dire merci. Dites merci par rapport à ce choix. C'est comme si on vous dit de dire merci. Merci à l'univers parce qu'il vous remet dans une situation. C'est quand même étrange parce que vous êtes enfermé, vous avez un choix à faire et on vous dit de dire merci. Et par rapport à cela, on vous dit de parler avec amour. Ça veut dire que vous n'êtes pas doué pour parler avec amour. Si on vous demande de parler avec amour, c'est que vous ne connaissez pas ça. On vous demande de parler avec amour par rapport à une personne que vous considérez éventuellement comme un papillon. Mais le papillon, ça peut représenter une personne que vous voyez comme une personne virevoltant à droite et à gauche, ou ça peut représenter aussi le fait que vous devez changer, vous devez vous transformer comme une chenille se transforme en papillon. Donc parlez avec amour pour vous transformer, afin de vous transformer, de devenir un papillon et de lâcher. Vous êtes plus dans le profit, voyez, et que vous êtes plus dans le profit que dans l'amour apparemment. C'est malheureux. Hein. Pour certains, je dis bien, c'est pas pour tous. Ben, il y a des personnes là qui sont plus dans le profit que dans le côté financier que par amour. Hein. Et que par rapport à cela, par rapport au profit, on dit que c'est un homme. On dit que c'est un homme qui est dans cette situation. C'est un homme qui est dans cette situation et on vous dit que par rapport à cet homme, on vous parle d'éphémère, il y a quelque chose qui ne dure pas. Parce que, pourquoi ? Ben, peut-être parce que vous êtes replié sur vous-même, vous avez un choix à faire, vous avez des changements à faire, des transformations à faire en vous. Cet éphémère, ça veut dire que vous essayez peut-être de faire des choix, vous essayez peut-être de faire, comment dire, vous essayez de faire des choix, vous essayez de vous transformer, ça ne dure pas. Vos efforts ne durent pas.
vous n'allez pas jusqu'au bout. Donc c'est pour ça peut-être que la situation, excusez-moi de dire peut-être, mais bon, moi je ne sais pas, je dis ce que je vois, donc je peux me tromper, hein, c'est pour ça que je dis peut-être aussi. Donc c'est pour ça que la situation peut être éphémère. Et éphémère, si la situation est éphémère, c'est parce que vous n'avez pas assez de volonté pour faire les changements. Vous n'avez pas assez de volonté pour changer, vous transformer. Vous êtes un peu trop sur les finances et du coup, ben les efforts que vous essayez de faire, les choix que vous essayez de faire, eh ben, ça ne dure pas. Ça ne dure pas, ça ne va pas loin. Voilà, c'est éphémère, ça ne dure pas. Et là, on vous parle de souris. On vous parle de souris. On vous dit qu'il y a des choses qui vous travaillent. Avec les souris, il y a des choses qui vous grignotent à l'intérieur. Il y a des choses qui vous travaillent. Et pourtant, vous souhaitez vous élever, vous souhaitez grandir, vous souhaitez... vous aspirez à une élévation. Mais que, malheureusement, ben là, on vous parle de jeu. Vous aimez trop, apparemment, jouer. Je suis désolée, mais pour certains, ça parle ça, c'est pour certains. Pour d'autres, je dirais qu'il y a des choses qui vous travaillent. Vous, vous souhaitez grandir, vous élever spirituellement, mais il y a des personnes qui peuvent éventuellement jouer avec vous. Ou alors, soit c'est vous, en signe du cancer, moi je dis ça pour certains cancers, soit vous êtes dans le jeu, et que par rapport à ce jeu, on vous parle de voyage à l'étranger. Peut-être que vous faites croire à quelqu'un, éventuellement vous allez partir en voyage, et puis que c'est un jeu, c'est simplement un jeu. Ce n'est pas sincère, c'est comme je disais, hein, c'est éphémère, hein. Vous n'avez pas assez de volonté, hein. Et que par rapport à ce voyage à l'étranger, voilà, on vous parle d'un emprisonnement. Vous vous sentez emprisonné, vous n'avez pas emprisonné par rapport, peut-être par rapport à quelqu'un de plus jeune, peut-être pas le fait que vous êtes jeune éventuellement. Soit ça peut vous représenter en étant quelqu'un de jeune qui vous retrouvez enfermé dans un enfermement. Par rapport à un voyage à l'étranger et par rapport à quelqu'un éventuellement, peut-être que soit c'est vous qui êtes dans un jeu, soit c'est d'autres personnes qui jouent avec vous, peut-être possible. De toute façon, il y a une notion de jeu où on joue avec vous, où vous jouez avec quelqu'un, et que par rapport à la jeunesse, là, par rapport à quelqu'un de jeune, on parle de nouvelles, on parle de vous allez recevoir des nouvelles, on parle de récompenses, de reconnaissance, et de par rapport à cette récompense et reconnaissance, on parle de réussite. On vous parle d'une acquisition, un investissement. Donc vous allez avoir des nouvelles vraiment qui vont vous allez prendre ces nouvelles comme une récompense. Vous allez prendre ces nouvelles comme une récompense et ça va être une véritable réussite. Et vous allez pouvoir avoir une acquisition, un investissement, acquisition peut-être d'un bien immobilier ou quelque chose comme ça. Et que par rapport à cette acquisition, on vous parle d'affirmation. On vous dit que pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Donc soyez dans les affirmations positives. Et que par rapport à ces affirmations positives, on vous dit que ça concerne un mariage. Ça concerne un mariage et on vous dit que les fées vont se joindre à vous. Donc c'est comme si l'univers se joint à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Et que par rapport à ce mariage, on vous dit que c'est en rapport avec un fils. Mariage par rapport à un fils. Alors peut-être que vous avez un fils et on vous dit que vous vous inquiétez peut-être pour votre fils. On vous dit que votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Donc ne vous inquiétez pas pour votre fils. Et là on vous dit que c'est le moment idéal pour
Et là, là, après le moment idéal, on vous dit oui, un grand oui, on vous dit que vous avez tout. Vous avez tout. Vous avez d'un côté le soleil dans une main, la planète Terre sur, dans l'autre, et vous avez une connexion avec l'univers. Mais là, on vous dit oui, si vous avez la foi. Ça arrivera à condition d'avoir la foi. Et là, on vous parle d'un engagement. On vous demande d'être vrai. D'être vrai envers vous-même comme envers, et envers les autres. Et de faire confiance à une personne. À une personne. De faire confiance à une personne, faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Donc, ayez confiance dans les autres, ayez confiance en la personne que vous avez dans le cœur, ayez confiance en vous aussi. Et que par rapport à cet engagement, apparemment, il y en a qui souhaitent avoir une famille. Par rapport à cet engagement, donc vous voulez vous engager. Bon, là on parle d'une femme, mais ça peut être un homme. Et avoir une famille. Et par rapport à la famille, on parle de communication. Possible que ce soit aussi votre famille, que vous voulez parler avec votre famille éventuellement. Donc il faut prendre les choses dans plusieurs sens, quoi. Et que par rapport à votre famille, on vous demande de parler, de dialoguer. On vous demande de parler, mais d'écouter aussi. Pas seulement être dans la communication, c'est un échange. Et par rapport à la communication, on vous demande d'accepter certaines choses. Accepter ce que l'univers vous envoie. Accepter, tout comme cette personne, elle voit quelque chose qui descend, bien, on lui demande d'être dans l'acceptation. Et que par rapport à l'acceptation, on vous demande de retrouver la joie. La joie en vous, de retrouver la joie comme un enfant, retrouver la joie en s'émerveillant, rien que le fait de regarder un petit papillon, il s'émerveille. On vous demande de retrouver donc la joie, c'est la joie vient de votre âme, la joie elle vient de votre âme. Et par rapport à la, vous allez retrouver la joie, retrouver cette innocence, cette pureté d'un enfant. Et là, on vous dit, faites appel à votre pouvoir créateur. Vous avez des pouvoirs créateurs. Vous avez le pouvoir d'être dans la joie. Vous avez des pouvoirs, tout simplement. Et que vous avez le pouvoir de transformer votre vie et celle des autres. Mais que par rapport à une personne que l'on sait, une personne qui près de vous, on vous dit que vous avez trahi une personne, une femme. Vous avez trahi une femme. Vous avez été trahi ou soit vous avez trahi cette personne. Moi, je pense que c'est... Ou alors vous vous êtes senti trahi par cette personne. Et là, on vous dit de laisser de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Ici, on vous parle de l'arbre de vie. Là, on parle d'un arbre, donc on vous dit que vous êtes en train de grandir comme un arbre, de donner des fruits, donc d'évoluer. Et que par rapport à cet arbre, on vous parle de la campagne. Ou peut-être que vous allez, soit vous habitez à la campagne, soit vous avez envie de partir à la campagne. Et par rapport à la campagne, on vous parle d'une révolution. Il y aura une révolution dans votre vie. Le fait d'évoluer, ça va vous faire changer. Apparemment, vous allez partir à la campagne. Si vous n'êtes pas déjà à la campagne, vous allez partir à la campagne. Ça va être une véritable révolution dans votre vie. Et que par rapport à cette révolution, on vous parle d'espoir. On vous dit que vous allez... Ce que vous espérez va arriver. Gardez espoir. On vous demande de garder espoir. On vous demande de vous reposer, que le repos vous permettra
de vous sentir beaucoup mieux et même de rajeunir, que ça vous fera le plus grand bien. Et que par rapport à ce repos et ce rajeunissement, vous parle de souvenirs d'amour. Vous avez des souvenirs, des anciens souvenirs apparemment, des anciens souvenirs d'amour, et que par rapport à ces souvenirs d'amour, on vous parle d'harmonie, harmonie avec votre âme jumelle. Et par rapport à cette harmonie, on vous parle d'enfants. Alors soit vous avez des enfants, soit vous allez avoir des enfants éventuellement. Par rapport à cette harmonie, dans cette harmonie, vous allez éventuellement. Et par rapport à ces enfants, on vous parle d'avocat. Oh, je pense que vous avez des enfants, puisque là on vous parle d'un avocat. Vous avez des enfants, il peut possible que vous ayez besoin de trouver l'harmonie avec vos enfants. Et par rapport à l'avocat, on vous parle d'exclu. Il peut possible que vous avez exclu quelqu'un, vous avez été indifférent par rapport à une personne. Et là, on vous parle des amoureux. On vous dit que les relations intimes, on parle de relations intimes. On vous dit réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Et on vous parle d'une bonne santé, donc réfléchir. Ici, on vous dit, ah, par contre, là, il y a quelque chose, il y a comme un obstacle là, parce qu'on vous dit s'attendre au pire, prédiction qui se réalise, et nuit blanche. Mais je pense que c'est temporaire. Il se peut qu'il y ait quelque chose qui va vous perturber, Oh, mais ça ne dure pas. Quelque chose qui risque de vous perturber, des inquiétudes, des choses comme ça. Et là, on vous dit qu'une grande on vous parle d'une grande force intérieure. On vous dit, méfiez-vous des jugements sévères. On vous parle de pardon et de compassion. Donc, pardonnez, soyez dans la compassion. Là, on vous dit de donner une chance à votre amour. Alors, c'est la numéro. Choisissez, on vous dit choisissez l'amour. Choisissez l'amour. Moi, je dirais donner une chance à votre amour, mais bon. Prenez l'amour. Choisissez l'amour, vous avez toujours le choix. Faites-le avec amour. Vous avez toujours le choix. Oui, si vous avez à choisir entre, ben c'est ce que je disais tout à l'heure, si vous avez à choisir entre, ben choisissez l'amour parce que c'est la chose la plus importante. Ce n'est pas le reste, l'argent, les choses matérielles, c'est pas ce qui est le plus important, c'est l'amour. Donc c'est pour ça qu'on vous dit choisissez l'amour et vous avez toujours le choix. Et on vous demande de faites le vôtre avec amour. Alors ensuite ici. On vous dit, avec la carte numéro 32, on vous dit que les motifs de la... on vous parle des motifs de la relation. Et on vous dit, il faut de la force au besoin de changement. Donc, il vous faut beaucoup de force pour changer. Il vous faut beaucoup de courage pour aller de l'avant et pour changer. Pour avoir envie de changer, vous avez besoin de beaucoup de courage. Et là, ici, on vous parle de repos. On vous demande de vous reposer, de vous relaxer. Que le repos et la relaxation sont essentiels. Donc, on vous demande de vous reposer et de vous détendre. Et on vous dit que nous avons tous un fondamental besoin de faire une pause. Peut-être que vous êtes trop occupé, peut-être que vous faites trop une activité qui vous prend trop de temps. Et donc on vous demande de vous détendre, de vous reposer, de vous détendre. Alors ici on vous dit laissez vos amis vous aider. Alors on vous dit laissez vos amis vous aider, demandez, acceptez le soutien des autres. Ça veut dire que vous n'êtes peut-être pas... Vous êtes peut-être dans une situation tellement, vous avez tellement l'impression d'être dans le brouillard, ce que je disais tout à l'heure, que vous avez l'impression de ne pas pouvoir y arriver.
Et vous avez peut-être besoin que vos amis vous aident, vous soutiennent. Et là, on vous dit attention au drapeau rouge. Ça veut dire que il y a une personne autour de vous qui n'est pas honnête avec vous. Il y a des petits signes qui vous montrent que cette personne n'est pas sincère, n'est pas honnête. Et donc, cette personne, peut-être que vous la connaissez pas suffisamment. Peut-être que elle n'est pas ce que vous pensez qu'elle est. Et du coup, on vous dit de faire attention au drapeau rouge et que certains signes vous mettent en garde. Là, on vous dit que c'est certainement lui. Ça veut dire que possible que vous croyez que avoir trouvé votre âme jumelle, vous pensez que c'est certainement une personne et peut-être que vous vous trompez. Donc, c'est certainement, ce n'est pas sûr. Donc, il y a un doute. Ce n'est pas sûr. Et on vous dit que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Et par rapport à ça, on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Donc, malgré les doutes qu'il peut y avoir, malgré possible que vous soyez dans une relation, vous n'osez pas aller de l'avant. Vous croyez que c'était une certaine personne, mais cette personne, vous vous rendez compte que n'est pas ce qu'elle est. Et vous croyez après, mais vous peut-être que vous êtes convaincu que cette personne est votre âme jumelle, mais c'est pas vraiment le cas puisqu'il y a un doute quand même qui plane. Puisqu'en disant c'est certainement lui, ce n'est pas sûr. Et là, on vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse. On vous dit que la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Ensuite, avec le 10 de l'action, avec les messages des anges, on vous dit, le 10 de l'action, il vous dit, vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'irriter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Ici, on vous parle de l'aide de l'action. L'aide de l'action qui vous dit, vous avez mille et une choses à faire, ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider, vous éclairer, vous apporter des solutions éventuellement. Du moins, je vous le souhaite. Oui, ben je crois que je vais arrêter là. Oui, je voulais dire quelque chose, mais non. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.